Mokuna, nous acclamons pour. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous asseoir. La banque que tu vous sentez de Louis Elisuka. C'est le dernier jour. Je te demanderai de ne pas sortir les mains vides. Quand quelqu'un vient auprès du Seigneur, le Seigneur ne peut pas le laisser rentrer les mains vides. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les associations. C'est la vie d'un homme. Quand un homme vient, il faut sentir le mot. Il faudrait qu'il sente quelque chose. Il faut vivre le mot. Il faudrait qu'il vive quelque chose. Pour qu'on puisse savoir que quelqu'un a rencontré Dieu, il faudrait qu'il y ait des signes dans sa vie. Dieu ne peut pas rencontrer une personne sans que quelque chose se passe dans la vie de cette personne-là. Notre problème, c'est basé sur la délivrance. Nous avons dit que nous pouvons voir quelqu'un qui est à l'église, mais il n'est pas délivré. Quand vous regardez sa vie, son comportement, les choses qu'il est en train de rencontrer dans la vie, tu trouveras que depuis qu'il est venu auprès du Seigneur, il n'y a aucun travail qui s'est fait dans sa vie. Quand tu regardes sa vie, et même avec ses frères qui ne prient pas, c'est la même chose. C'est-à-dire que même la famille, convaincre que ce soit dans la famille, ce qui peut convaincre ses frères que lui, il est en train de prier, il n'y en a pas. Même dans ses amis. Maladie, papa n'a pas fait. La même maladie que son père dont il était mort. Grande sœur n'a pas. Sa sœur est morte de la même maladie. Petit frère n'a. Son petit frère est mort de la même maladie. Et c'est la même maladie que lui aussi a. Tu trouveras que les choses qui se retrouvent dans leur famille et se retrouvent aussi en lui. Je connais une famille. Papa na bango akufaki liboma. Leur papa était devenu fou, il est mort fou. Grand frère na bango mususu liboma ti ayokufa. Et leur grand frère aussi est devenu fou, il est mort. C'est-à-dire que bandeko na bango ko bandana papa na bandeko 6 personnes. Et depuis les papas et les enfants, 6 personnes sont mortes de la folie. Ça commence toujours dans la folie. Lui, on priait avec lui, ça faisait 4 ans. Un jour, on nous dit non, il est devenu fou. Mais maintenant, il a fait 4 ans auprès du Seigneur. Ça l'a aidé en quoi? C'est qu'il y avait quelque chose qui ne s'est pas fait dans sa vie. Beaucoup de gens viennent dans les églises, ils s'assoient et ils rentrent dans des mouvements de l'église sans qu'ils puissent chercher sa vie. Au lieu de chercher sa délivrance, il rentre dans les choses des hommes. Comment celui-ci vit, comment celui-ci fait comme ceci. Maintenant, sa vie, c'est comme ça, vérifier les vies des autres. Mais c'est pourquoi tu es venu dans l'église. Délivrance. La délivrance.
La délivrance est quelque chose de très précieux dans la vie d'un homme. Quand le Seigneur est venu, le premier message, et que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour que je puisse délivrer ceux qui sont dans les chaînes. Les captifs. Délivrer les captifs. Ma sœur. Bien-aimée sœur. Les lots. Aujourd'hui. Il faudrait que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Ça ne regarde pas des années. Et ce n'est pas parce que tu fais un travail dans l'église. Non. Non. Nous voulons, quand nous allons nous lever pour prier, que Dieu écoute tes pleurs. Il faudrait que quand une personne vient auprès du Seigneur, qui est la différence avec ses frères qui ne prient pas et les amis dont il a laissé dans le monde. Si dans votre famille on ne se marie pas, le mariage doit commencer dans ta vie. Si dans ta famille on ne réussit pas, la réussite doit commencer auprès de toi. Vous verrez maintenant la différence. Puisqu'il dit que vous verrez maintenant la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui entre ne celui pas. Qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Je suis en train de passer des épreuves. Mais ton père aussi ne prie pas. Lui aussi il passe des épreuves. Et parce que les problèmes que tu as, c'est les mêmes problèmes que ton père a. Bien-aimé, j'ai vu aujourd'hui et que tout le monde puisse donner, se prêter son oreille. Il ne faudrait pas que tu continues à prier avec les pleurs. Et tu pries, mais tu es toujours dans la souffrance. La souffrance, tu as commencé avec ça longtemps. Et tu es venu pour que Dieu puisse t'aider, la souffrance continue. Et tu verras aussi l'homme arrive à la fin et qu'il se donne une nouvelle évangile. Même si je souffre, je vais me réjouir dans le royaume des cieux. Même si tu souffres, tu manques l'endroit où dormir. Le royaume des cieux, c'est pour les malheureux. Qui t'a dit ça? Le Seigneur a dit qu'il s'est fait pauvre sur la croix pour que nous ne puissions être riches. Amen. Mes enfants ne seront pas la queue, ils seront la tête. Amen. Ils ne vont pas commencer à aller emprunter de l'argent à gauche et à droite. C'est eux qui commenceront à donner, à prêter aux autres. Ça pour toi tu ne le connais pas. Ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Toi, tous les versets, c'est les versets de pleurs. Ça, ce sont tes versets à toi. Quand c'est un verset qui amène à la pleure, c'est toi. Je suis en train de te dire que 2010, il faudrait que Dieu fasse quelque chose pour toi. Nous sommes dans le mois de janvier, au début de l'année. Nous avons montré comment Satan, il est venu dans ce monde pour faire souffrir les enfants de Dieu. Il a dispersé les esprits mauvais pour que tout le monde et qu'il soit dans les liens de Satan. Dans telle ou telle chose. Et c'est pour cela que nous avons dit 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 que nous avons d
Tu verras que l'autre plaire pour tel problème, l'autre là plaire pour tel autre problème. Tu verras que tout ce travail là, c'est les diables qui sont en train de faire ça, les démons qui sont en train de faire ça. Quand le Seigneur a regardé, qui pourra délivrer mon peuple? Celui-ci ne se marie pas. C'est un esprit de célibat qu'on a mis en lui. Celui-ci ne peut pas avoir d'enfants. C'est un esprit de stérilité qu'on a mis en lui. Un jour, on était en train de faire la délivrance. Un enfant de 13 ans. Elle commence à s'agiter. Quand on commence à chasser l'esprit mauvais qui était en elle, c'était un esprit de stérilité. 13 ans. Elle a encore 13 ans, elle ne s'est pas encore mariée. Déjà, la stérilité a pris place. Ce que tu vois dans ta vie là a commencé longtemps. Mais comme tu n'avais pas le discernement, toi tu crois que ça a commencé au moment où tu es rentré dans le mariage. Non. Les diables t'avaient déjà pris dans ces chaînes depuis longtemps. Mais qui pourra délivrer cette famille? Et qu'aucun enfant ne va de l'avant. Ils se sont battus, lités jusqu'à ce que vous êtes venus. Mais la vie c'est la même chose. Ils sont en train de tourner. Il n'y a pas un bon travail. Dans le compte, son compte bancaire, c'est zéro ou c'est des moins. Il se réveille dans les pleurs, il dort avec les soucis, il se réveille avec ça. Mais cet homme va finir comment? Mais la prière l'aide en quoi? Mais qu'est-ce que la prière fait dans sa vie? Mais est-ce qu'il s'est rencontré vraiment avec le Seigneur? C'est lui qui l'a rencontré. Et tu as vraiment une connaissance qui tape à côté. Quand nous étions comme on était catholiques, la prière, on va seulement pour s'asseoir. Mais ça ne fait rien dans nos vies. Non. Si tu sors de là-bas, si tu es un sorcier, tu vas ensorceler. Si tu es un voleur, tu vas voler. Si tu vas, tu prends l'alcool, tu sors de là-bas, tu vas prendre ton alcool. Tu verras que la prière n'aide la personne en rien. C'est différent avec celui du Seigneur. C'est différent. Laisse que ta vie soit changée. Laisse que tu sentes quelque chose dans ta vie. Même ceux qui te connaissent, s'ils te rencontrent dans le chemin et qu'ils s'étonnent, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré, il a rencontré le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a cherché qui pouvait venir sauver son peuple dans les liens du diable. Il a demandé dans les ciels, qui peut aller? Regarde dans la Bible. Il n'y a même pas eu un seul ange qui a levé son doigt. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Satan très bien. Et celui qui a commencé avec la guerre ici dans les ciels, il est parti dans le monde. Il a créé maintenant son propre royaume. Et moi, je vais le poursuivre là-bas, on va se battre. Non. Et que lui-même puisse trancher ses problèmes. La Bible dit que Jean a pleuré. Il a dit, bon, c'est fini, on est perdu. Et que dans les ciels, sur la terre et sous la terre, aucune personne n'a levé les doigts. Et au moment où Jean était en train de pleurer, il attend qu'on le touche. Il dit, Jean ne pleure pas. Regarde. Oui, l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau immolé. Ma soeur. Bien-aimé.
Le travail que le Seigneur a fait, et il ne faudrait pas que quelqu'un puisse se glorifier de cela. Même pas son costume, même sa chaussure. C'est un farceur. Prédicateur farceur. Et quand il montre ses habits, comme si la puissance vient dans ses habits. Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme de Galilée, la Bible dit que non, l'agneau de Dieu, et ta délivrance est entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur a regardé les sièges, les trônes que tout le monde est en train de se battre pour avoir. Les trônes. Comme vous êtes là. Et on dit à Sarkozy qu'il descend de là-bas, c'est fini. Tu vas voir, la guerre va commencer. Il dit non. Quitte. Les sièges. Même chez nous. Et là, pour s'asseoir toujours. Mais celui-là a abandonné son trône. Il leur a dit que moi je m'en vais. Je laisse le trône. Et mes enfants sont en train de souffrir. L'homme est dans les liens, dans la prison. Ma soeur, bien-aimée, c'est pour que quand l'homme est en train de dormir, ses rêves c'est toujours les hommes qui sont morts. Il rêve que des hommes morts, des femmes de nuit, des maris de nuit. Que la Bible est à la main. Mais celui-ci est dans les chaînes. C'est un homme à délivrer. C'est un homme qui doit chercher la délivrance. Et sa vie n'est pas bien. C'est lui qui prie. Et il se masturbe tout le moment. Et sa vie, c'est le désordre. Et il cherche à sortir de là-bas, il n'arrive pas. Mais il vient dans la prière. Qui peut sortir cet homme dans les liens à laquelle il se trouve? J'ai rencontré un frère à Londres. 20 ans. Pas de situation, pas de papier. J'ai dit non, ça ne peut pas se faire. 20 ans, général de sans papier, vraiment. C'est trop. C'est que celui-ci, il y a un problème qui le poursuit. 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Ndeko. Bien-aimé. Tatoy. Et c'est papa. Je vais vous dire. Il fallait que Dieu vienne maintenant. Satan, c'est l'esprit. Comme Satan est esprit, il n'y a personne qui peut combattre avec lui sur cette terre. Que personne ne te trompe. Le Seigneur a dit que moi, une branche verte et fraîche, on me fait comme ceci, et vous? Il n'y a personne qui peut lutter et combattre contre Satan. Il est esprit. Et pour qu'il puisse partir, il faudrait qu'un esprit plus fort vienne. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit que si je ne suis pas avec vous, vous ne pourrez pas. Diable et Satan. Le diable et Satan. Si il rentre dans la vie d'un homme, celui qu'on peut invoquer, c'est le Seigneur. Dieu. Et les pays dont il vient, on ne le sait pas. Zambé. Qui a mis au monde Dieu? Zamba utawapi. Il dit Dieu vient d'où? Avant que toute chose soit, Dieu était quoi? Bible est kimia. La Bible est restée silencieuse. Écoutez celui avec qui nous avons affaire. Et là où il vient, on ne le sait pas. Qui l'a mis au monde? Il n'a ni commencement ni fin. La Bible est restée silencieuse. Et la Bible déclare que rien ne lui est impossible. Amen.
C'est celui qui a la force de délivrer les hommes. J'ai la foi qu'aujourd'hui. J'ai la foi qu'il a quelque chose que nous allons acclamer très fort. Manifeste ta foi aussi. Sois convaincu que Dieu va faire quelque chose pour toi. Il a envoyé son serviteur pour que le travail puisse être fait. Quand nous allons nous lever, nous allons prier. Regarde et montre à Dieu là où il y a ton problème, ta situation. Il va faire quelque chose. Amen. On va nous lire la parole. Acte 10, verset 38. Acte chapitre 10, verset 38. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, en faisant les biens et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Vous savez. La Bible dit que vous savez, vous connaissez. Comment Dieu a ouvert du Saint-Esprit. Et de force Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce qui m'a dit que tous ceux qui étaient sous l'empire. Si on dit que tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Cela veut dire quoi? Ceux qui sont sous l'autorité de Satan. Et il y a des familles qui sont sous l'autorité, sous l'empire de Satan. Toi, tu es né dans cette famille-là. Papa n'a bino aseli bunganga. Et votre papa a été chez des féticheurs. Akanisa bana ye nyonso na bato. Et il vous a tous liés dans ces fétiches. Lokola papa moko akende koluka kisi. Comme un papa était parti chercher des fétiches. Ya mbongo. Et de l'argent. Azo succès. Et qu'il puisse avoir du succès. Ba yebise ke yabise za mbongo te. Et on lui a dit que, et nous, ce n'est pas l'argent que tu vas payer, c'est ton âge qu'on va enlever. On va t'enlever une partie de ta vie. Le roi Nazaraki a 26 ans. Là, il avait encore 26 ans. Avec un enfant. On lui a dit ceci. Il reste 14 ans. On lui laisse seulement 14 ans de vie et de règne. Si tu rassembles 26 ans et 14 ans, donc à 40 ans, il a dit, je suis d'accord. Et il a dit, je vais avoir l'argent. Il a dit, ça ne va pas se terminer auprès de toi. Et tous les enfants que tu vas commencer à avoir, 40 ans, c'est fini. Il a dit, c'est-à-dire d'accord. Que les enfants sacrifiés au diable. Cela veut dire les enfants, au moment où même ils sont nés, ils sont déjà sacrifiés à Satan dans cette alliance. Il a eu 9 enfants. Quand il a eu 9 enfants, 40 ans, il est mort. Qu'est-ce qui se faisait dans cette famille? Si un enfant a 40 ans, il meurt. Au moment où tu as 40 ans, tu meurs. Et tous, ils meurent samedi à 16 heures. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette famille? La famille est sous l'empire du diable. Ce qui moi ne moi quoi s'élever. Si un enfant s'élève, il dit que je vais aller chercher le Seigneur. C'est pour que le Seigneur puisse le sortir de sous l'empire du diable, du lien de cette famille. Tu ne peux pas être là, tu pries. En même temps, et que le Seigneur te laisse toujours sous la puissance du diable. C'est impossible. Si tu étais sous l'empire du diable, aujourd'hui le Seigneur va te faire sortir.
Amen. Bible sorba que il allait de lieu en lieu. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et ça n'a pas famille. Il y a des familles. Et qu'ils ont fait que leurs filles ne puissent pas se marier. Si il part dans les mariages, on va les chasser, il revient. Ma soeur, tenez bien l'eau qu'il fait long. Bien-aimé, regarde les choses qui doivent quitter dans ta vie. Le Seigneur a fait ce travail. Le Seigneur a fait ce travail. Il y a un enfant dans cette famille. Il est venu auprès du Seigneur. Quand il a commencé à prier, le Seigneur a commencé à lui révéler ce qui se passe dans sa vie. Dans sa famille, il a commencé à pleurer. Seigneur, délivre-moi de cette puissance satanique. Son tour était venu. Son tour était venu. Et que lui devait mourir aussi. Cette puissance des ténèbres est venue. Pour que ça puisse les prendre et l'amener. Et il voit que la puissance de Dieu était là. Et pour leur dire que non, vous ne pouvez pas. Celui-là, vous ne pouvez pas les prendre. Alléluia! Il y a un dégât qui s'est passé. Il y a un dégât qui s'est passé. Que Dieu est vivant. Je te dis que le Seigneur est vivant et il est puissant. Quand nous venons auprès du Seigneur, il faudrait que le Seigneur puisse t'enlever sous la puissance satanique. Là, dans ce pays, il faudrait que tu réussisses. Il faudrait que tu ailles de l'avant. Et que toute la puissance qui t'est faite, toute la puissance qu'on a mis en toi, le Seigneur a la puissance. Il est le seul qui pourra faire fuir Satan. Il dit que tes ennemis viendront sur un chemin. Mais ils fuiront dans sept chemins différents. Comment ils fuiront dans sept chemins différents? Quand ils verront que le roi des rois est avec toi. Alléluia. Si Dieu est pour vous, qui sera contre nous? Qui pourra être contre nous? Alléluia. Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur vient dans ton camp? Et que le Seigneur puisse te couvrir. Et que tous les esprits mauvais puissent prendre la fuite. Il y avait un papa. Les mauvais esprits l'ont touché. Et rentré dans sa vie. On les mettait dans les chaînes. Il coupait les chaînes. La Bible nous a dit qu'il a fui. Il a laissé la ville des hommes. Il habitait dans les cimetières. Il vivait dans les cimetières. Il mangeait les choses dans les cimetières. Il n'avait pas d'habit dans son corps. Là où il restait, les gens ne passaient plus par ces chemins-là. Un jour. Il y a un jour où la vie d'un homme va changer comme aujourd'hui. Il y a un jour où leur Dieu visite un homme comme aujourd'hui. Bien-aimé, je te dis, le 24 janvier, et que ça soit que ton Dieu te visite aussi. Dieu, alléluia. Un jour, le Seigneur a emprunté ce chemin de cimetière. Il y a d'autres choses qui se font. Et que Dieu passe par là pour visiter une personne. Dieu veut visiter quelqu'un ici. Ça peut être toi. Dis, c'est moi que Dieu va visiter. Dis, c'est moi. Amen. Tu as beaucoup pleuré. Et Dieu descend, et personne ne les voit. Dieu envoie les hommes. Et qu'à travers le travail qui va être fait, et cet homme va être sauvé.
Quand le Seigneur vient, il regarde, il a vu cet homme-là. Et il était en train de souffrir. Et au moment, au même instant, les esprits mauvais ont commencé à parler, à crier. Il dit, ah, pourquoi il a choisi ce chemin aujourd'hui? Il est venu nous troubler. Laisse-nous. Le Yam, il dit, ce n'est pas encore le temps. Va faire ton travail ailleurs, pas ici. Et votre travail, vous avez lié quelqu'un dans la folie. Vous avez pris mon enfant. Et vous êtes en train de me dire, non, fais ton travail ailleurs, pas ici. Comme vous êtes en lui. Aujourd'hui, vous allez sortir comme dans ta vie aujourd'hui. Ma sœur, tu n'es pas venu chez un féticheur. Tu es venu auprès du Seigneur. Il ne pourra jamais t'abandonner. Jamais. Jamais. Qu'il l'éveille, qu'il ne l'éveille pas. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Il faudrait qu'il voie des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Et moi, j'ai pitié, ce sont tes ennemis. J'ai vraiment pitié de tes ennemis. Aujourd'hui, ils ne pourront pas. Et parce que les choses que Dieu va faire, alléluia. Et beaucoup de gens vont changer de ville. On a commis qu'on fende à Lyon. Non, je vais aller habiter à Lyon. Reviens à Paris. Pourquoi qu'on est à Lyon? Ah, reviens. Il a tellement apporté de mauvaises choses. Et il a maintenant, Dieu a fait des choses. Maintenant, il a honte. Il veut changer de ville. Reste là. Bien-aimé, le Seigneur a envoyé la parole aux esprits mauvais. Sortez. Les esprits mauvais disent, Seigneur, bon, on accepte aujourd'hui, c'est fini pour nous. Tu veux nous envoyer où? Et allez-y dans l'église aride. Pardon, pardon. Pardon, c'est pour aujourd'hui seulement. Et qu'on aille chez les pauvres. Qu'on rentre seulement dans les pauvres, s'il te plaît, Seigneur. Et c'est pour cela que d'autres personnes disent que non, moi je ne peux pas manger les pauvres. Parce que les esprits mauvais sont rentrés dans les pauvres. Mais les pauvres là dont les démons étaient rentrés, et tous les pauvres étaient morts. Tous les porcs là étaient plongés dans l'eau et tous ils étaient morts. Ça, celui-là, c'est un autre porc. C'est pas le même. Amen, amen. Amen. Et on avait un frère, non, moi je ne mange pas. Il dit, saucisson qu'on mange là, c'est les 10 porcs. Oh, saucisson c'est bon, mais. Il dit, saucisson c'est bon, mais. Il dit, c'est les porcs. Amen. Amen. Il faudrait que notre Dieu et qu'il te délivre de quelque chose. Et que même quelqu'un qui s'assoit, il se dit, oh. Et que depuis qu'on a fait ce travail de délivrance, il ne ment plus. L'esprit des mensonges est parti. Et que les gens constatent quelque chose. Il y avait un frère qui mentait. C'est-à-dire que il y a une vérité, ça bonjour. Et lui, quand il dit la vérité, c'est quand il te dit bonjour. Et quand il veut te dire la vérité, il te dit bonjour. S'il dit que je viens de là, c'est du mensonge. J'étais à Saint-Denis, c'est du mensonge. Il vient de Liège. Il n'était pas à Saint-Denis. Et c'était un véritable expert en mensonge. 2h du matin. Il est parti à Kimbanseke. Dans un quartier, il a rencontré. Arrête-toi. Il dit, ici, il y aura des problèmes. Il dit, je ne vais pas m'arrêter. D'ailleurs, c'est comme je me suis rencontré avec vous, c'est bon. Allez dire, donner la nouvelle dans ma famille. Et que là où on m'a enterré, je ne suis pas content. Allez dire la les cercueils que vous allez voir dehors, c'est mon cercueil à moi. Moi-même, je vais au cimetière de Kitambo. Les gens qui allaient l'arrêter, ils disent, oh, les policiers rentraient derrière.
Il dit, tu vas au cimetière de Kitambo, oui. Et je vais aller m'enterrer moi-même au cimetière de Kitambo. Les policiers ont pris la fuite. Ils ont tous pris la fuite. On dit, on a rencontré un fantôme. Si vous voyez un cercueil dehors, c'est lui. Non, on a rencontré un mort. Ce n'est pas un mort, c'est un frère menteur. Et tu verras qu'il a un sac. Il a une mallette diplomatique et il s'est mis en costume cravate. J'ai du marché de plastique. Et j'étais à Gabon, en France, je cherchais des investisseurs. J'ai rencontré M. Keynes. Il parle toujours de grandes choses. Quand vous voyez, vous ouvrez ce diplomatique là, il y a les brosses à dents et c'est le fil. Oui, sa serviette. Frère Grégoire, à quel jour tu vas être délivré? Ta délivrance est aujourd'hui. Amen. Ta délivrance est aujourd'hui. Laisse aujourd'hui que Dieu... Ces frères-là, les démons sont sortis en lui. Le Seigneur a envoyé ça auprès des pauvres. La Bible dit que tous ceux qui venaient, ils l'ont trouvé en bon sens. Il est assis au pied du Seigneur. Laisse. Et que ce pays de Paris, de France, et que ça soit favorable pour toi. Ce qui était difficile puisse devenir facile. Et que le Seigneur étende sa main. Et que le Seigneur rentre dans ta santé. Et qu'il rentre dans ton travail. Et bien aimé, le Seigneur est capable de te donner les choses dans ce monde. Et celui qui ouvre le chemin, la bénédiction, c'est Dieu. C'est Dieu. Nous allons prendre notre verset. Marc 16, 17. Bible est solobani. Marc chapitre 16, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Yokandeko. Azoba que voici les miracles. Écoute bien aimé, il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils vont chasser les esprits mauvais. Aujourd'hui, nous allons les chasser dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on avait mis en toi, pour que ta vie ne puisse pas être bien. Si on a mis depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ça va sortir. Ah, dites un bon amen avec des acclamations et des cris de joie. Le aujourd'hui, le Seigneur est dans ton camp. Ils vont s'étonner. Comment il nous a fui? Comment les chaînes sont coupées? Comment les liens ont été rompus? C'est le travail que le Seigneur fait. Je vais te dire. Nous avons crié à un Dieu que personne ne peut le vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs. Et il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. On a arrêté le Seigneur. On l'a laissé presque nu. On a commencé à le taper. Ils l'ont craché dessus. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Le Seigneur allait. Et les femmes de Jérusalem étaient en train de pleurer. Il dit, pourquoi vous les faites comme ça? Le Seigneur leur a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même.
Moi, on me fait comme ceci. Et maintenant, vous. On l'a amené jusqu'à Golgotha. On l'a mis sur la croix. Si tu lis dans la Bible, c'était un grand spectacle. Les commerçants sont venus, ils vendaient du pain et tout. Et maintenant, c'est devenu un marché, tout le monde était là, lui, il était crucifié. La Bible dit que ce jour-là, et les gens descendaient, les gens montaient. C'était un événement que les gens n'avaient jamais vu. Tout le monde venait pour regarder. La Bible dit que les passants, ce qui est ils passaient, ils disaient ah. Fais encore. Voilà, là où tu t'es retrouvé. Tu es maintenant, c'est fini pour toi. Souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Il faisait de tout. Il les regarde. La Bible dit qu'il s'est moqué de lui. Enlevez-lui les habits. Là. On prend ses habits. Allez, on commence à tirer au sort. Wow. Ah. Il demande de l'eau. On lui donne du vinaigre. Le Seigneur est devenu comme un objet de moquerie. Comme toi aussi, on a posé la question, où il est son Dieu? Mais il prie. Ah, pitié pour lui. Son Dieu ne l'a pas aidé. Il va avoir des enfants quand? On commence à se moquer de toi, même auprès des hommes. Tu commences à t'enfermer dans la chambre et tu pleures. La Bible dit dans tout ce qu'ils étaient en train de faire, il y en avait un à gauche, un autre à droite. Et celui qui pouvait dire que nous tous c'est la même chose, aie pitié de moi pour que moi aussi. Et l'autre qui était là à côté dit au Seigneur, regarde ta tête. Mais on est dans les mêmes cas. Et toi, tu es ici avec moi à la croix. Tu es un menteur, toi. L'autre qui était de l'autre côté lui dit, pourquoi tu lui dis ça? Le Seigneur lui a dit, toi, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia! Donc, et même celui qui était à la croix l'injuriait. On le voit, il regarde au ciel. Il a crié. Mon Dieu. Eli. Mon Dieu. Eli. Pourquoi? Amen. Le Seigneur t'a abandonné pourquoi? Le Seigneur va t'abandonner pourquoi? Est-ce que le Seigneur abandonne les hommes? La Bible dit que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. De mon vivant, je n'ai jamais vu un juste de l'Éternel être abandonné. Qui était en train de se moquer de toi? Aujourd'hui, il faudrait que tu cries auprès du Seigneur. Le Seigneur a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il a poussé ce cri-là, il a arrêté. Le soleil a pris la fuite. Il faut miracle et bande le lopo na yo. Il faudrait que les miracles commencent aujourd'hui pour toi. Le soleil a pris la fuite. La nuit est venue. Et tout le monde commence à reculer. Il y a le vent qui a commencé. Pas un petit vent. Une tempête. Et les tempêtes comme ça, il n'y a pas beaucoup chez nous. Dieu nous a épargné dans ces choses-là. Ouais. Un vent comme ça qui coupait les arbres. Ça soulève les pierres. Un vent. Et ça renverse les tables de ce qui est en train. Tout le monde a pris la fuite.
Tout le monde a pris la fuite. Il a déchiré les rideaux du haut en bas. Dans le Bible, il y a Les vents ont soufflé partout, même dans les cimetières. Les tombeaux se sont soulevés. Les tombeaux se sont soulevés. Les cercueils sont restés vides. Et il est resté seulement des os. Ils ont revêtu des. Ce qu'on a envoyé seulement à Ézéchiel. Ça s'est fait avec le Seigneur. Celui qui était dans le tombeau, il a pris la vie. Il est sorti d'entre les morts. On l'a donné d'autres avis. La Bible dit que les morts ont marché à Jérusalem. Alléluia. C'est Clément. Regarde les dieux en qui nous avons cru. Dans quel niveau il a fait des miracles. Et j'ai dit en venant auprès du Seigneur dans ce moment. C'est pour que toutes les forteresses du diable soient séparées. Et que Satan sache qu'il y a un Dieu. Et pour que Satan puisse se rappeler qu'au-dessus de lui il y a un homme. Est-ce que le Seigneur te délivre aujourd'hui? Et que le Seigneur secoue le monde des ténèbres. Bien-aimé, les morts ont marché dans la ville de Jérusalem. Et ils l'ont pris. On est parti l'enterrer. Ils ont dit ceci. Il faudrait qu'on fasse attention. Il a dit qu'après 3 jours, il allait se ressusciter. Et on va voir quand est-ce qu'il va se ressusciter. Deuxième jour. Personne n'a enterré quelqu'un dans ce cimetière qu'on a enterré là-bas. Pas d'entrée, pas de sortie. On a mis des chars. Les lance-roquettes. Les militaires étaient là. Si vous voyez seulement qu'ils lèvent la main. 5 lance-roquettes, vous balancez. Pourquoi ils sont obis? Et envoyez des obis. Vous passez le tombeau. Et vous détruisez le tombeau. On va voir où il va se réveiller. Troisième jour. Et l'homme de Galilée a dit au ciel, préparez-vous. Bien-aimé. La Bible dit que un ange est descendu. Il a dit, j'ai une armée dans le ciel. Si je commande, on peut m'envoyer 12 légions. 12 légions d'anges, vous ne pouvez pas. Un seul ange. Il est venu, il a roulé la pierre. Les soldats ne savaient plus quoi faire. Il dit, tu as vu? J'ai vu la pierre s'est enroulée. Et tu as vu celui qui a enroulé cela? Non. Ça y est prêt. Un moment. Regarde la Bible. Les soldats ont vu le Seigneur. Quand le Seigneur est sorti, alléluia, ils l'ont vu. Quand ils l'ont vu, tous les armes commencent à descendre par terre. Neutralisés. Est-ce que Master Ozomon. Mon ami, tu vois? Je vois. Bêta roquette. Bêta, lance de la roquette. Et dit, je ne peux pas lancer. Je ne peux pas. Le Seigneur est parti. Quand le Seigneur est parti, les soldats se sont réveillés. Non, on n'a jamais vu une telle chose. Ils sont partis chez les chefs. Il leur dit. Il dit comment? Il est ressuscité. Il dit non, ces gens ne l'ont pas volé. Il est sorti. On l'a vu. Quand il est sorti, nous tous on était là comme ça. Chef. Il dit chef. Et il est dangereux. Les chefs se sont rassemblés. Les chefs militaires. Les chefs d'état-major général. On dit on va faire comment? Ils étaient à peu près 20 soldats.
Il dit, allez, prends l'argent, achète la parcelle. 5000 euros. 5000 euros, prends. Ne dis à personne. La Bible l'a écrit. Et on leur a donné des biens, de l'argent. Il dit, allez dire. Et que ce sont ces disciples qui l'ont volé. Même si on ment sur toi, la vérité, on ne l'enterre pas. Alléluia! Jésus! Hey. Ne te tourmente pas. Regarde comment on est en train de dire, ça va prendre fin. Je suis beau. Elle dit, la beauté ne se discute pas. Si tu es beau, la beauté va parler d'elle-même. Oui, tu vas faire les discussions. Regarde ses oreilles. Regarde sa nuque. Si je n'ai pas la nuque, on va voir qu'il n'a pas la nuque. Amen. Ces gens, quand ils sont partis, et chacun arrive à sa maison avec 100 000. Et avec une parcelle. Il dit, viens. Ils entrent dans la chambre. Et nous avons une parcelle. Nous avons 5 000 euros. Il dit, oui, c'est pourquoi? Tu connais le Seigneur Jésus. Ne dis à personne. C'est notre secret à la maison. Il est ressuscité. Quand la femme sort, son cœur n'est pas tranquille. Lui aussi cherche un de ses amis. Il dit Mado, viens. Ne dis à personne. Tu connais le Seigneur Jésus. Clément, il était là-bas dans la garde. Il m'a dit qu'il est ressuscité. Mado, il part. Il va chez Georgine. Georgine, viens. Ne dis à personne. Il est ressuscité. La Bible dit Jérusalem, sous Jérusalem, avec le Seigneur est ressuscité. Et laisse que tout Paris entende la bonne nouvelle. Laisse que tout le monde entende la bonne nouvelle de ta vie. Et le Seigneur n'était pas envoyé pour que tu puisses aller suivre les gens tout le temps derrière. Il faut influencer dans mon kilo. Il faudrait que tu influences. Que Dieu fasse pour toi des grandes choses. Vous êtes en santé de paix. Que tu puisses avoir une santé de paix. Que tu puisses avoir des maisons, que tu puisses créer. Que on t'appelle aussi, oui, c'est un homme. Dieu n'est pas un Dieu des pauvres. Et que tout le monde est assis ici, que des pauvres, tout le monde des pauvres. Et ceux qui vont acheter des avions doivent être là. Ceux qui vont faire des grandes choses doivent être là. D'ailleurs, pour que l'église aille de l'avant, il faudrait que les membres puissent avoir des possibilités. C'est pour cela que vous voyez chez nous. L'église est bénie, ça n'a pas chaîne de télévision. Et beaucoup des églises ont des chaînes de télévision. Ils ont beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent. Ce sont les mamans et les papas qui sont assis. Papa, il est 100 000 dollars. Et tu vois un papa qui t'amène 100 000 dollars. Vous savez la chaîne. Ils construisent des grandes maisons. Qui sont en train de construire. C'est les gens qui sont bénis. On va pas faire nous les pauvres. Les gens de misère. Et notre Dieu les misères. Jamais. Non. Il faut que Dieu puisse vous bénir. Nous mettons debout. Si ma moussalou, il faut changer mon islam. Faut qu'il y ait un changement. Tes pensées auprès du Seigneur. Pourquoi tu vas rester comme ça?
Et que tu vois comment les autres sont en train de se marier maintenant, c'est ton tour. Le pensée fixé vers le Seigneur. On va demander aux musiciens. Ils vont nous envoyer un cantique. Et que tout le monde se concentre. Parce que nous allons chasser Satan maintenant. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. 2010, il faudrait qu'il aille très loin avec toi. Et que tu l'ailles, tu ailles très loin avec lui. Là où tu es, c'est penser auprès du Seigneur Jésus. Et que ton Dieu ne t'abandonne pas. Et que ton Dieu ne t'abandonne pas. Si dans ta famille les gens ne vont pas de l'avant, et tu es venu auprès du Seigneur, si les choses n'évoluent pas, et que ton Dieu puisse faire marcher, on va nous envoyer un cantique. On va nous envoyer un cantique. Et toi, aie déjà tes pensées auprès du Seigneur. Sois concentré. C'est le moment où le Seigneur va passer dans ta vie. Il faut le lancer le sambu ya malam, le sambu na nguya, le sambu na nguya. Makanisepa pas na Jésus Christ. Les pensées fixées vers le Seigneur. Le boko na sambu na biso, il fait toucher yo. Le boko na nkolo, il fait comme place aux amis. Boutons en l'alte. Nous sommes les autres qui nous ont sauté. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu commences à te poser des questions. Ma vie va finir comment? La grâce de Dieu, les voici. Et que notre Dieu se fasse voir dans ta vie. Et que notre Dieu se souvienne de toi.